prêt pour ce combat très attendu, Chris? Oui, tout à fait. Voilà, moi j'ai été très transparent avec ce combat. C'est mon combat préféré sur papier avant cet événement. J'espère qu'il va délivrer, comme je l'espère, ce matchmaking. Voilà, quand les deux combattants ont accepté ce combat, j'ai littéralement sauté de ma chaise et sauté de joie. Je voulais absolument qu'ils acceptent de s'affronter. Pour moi, c'est deux athlètes qui peuvent faire très mal en fin d'année lors des IMMAF Amateur Championship. Et ils ont tous les deux un style vraiment intéressant et très très agréable à regarder, que ce soit debout, au sol ou en lutte. Le Français qui arrive en premier dans le ring sécurisé, Elias qui est débarqué avec énormément de supporters aussi, on les entend ici au Centre Jean-Moisse à Mont-Saint-Guibert pour la première du 360 MMA Fight Night Genesis. Les Français, encore une fois, les saluts, les Belges, tout le monde sait que c'est un beau public, ils sont les locaux, ils font du bruit, mais les Français qui sont débarqués encore en font aussi, alors que Steve... Prochain combat est dans la catégorie Flyweight. Deux rondes, 5 minutes. Présenté en premier dans le coin bleu. Il nous vient de la MMA Factory. C'est un mixed martial artist pesant 66 kilos en provenance de Paris. Elias Dreamcatcher Nelly. Et face à lui, représentant de Red Kings, un mixed martial artist pesant 65,6 kilos. Il nous vient de Bruxelles, Steve Bass! C'est parti, je suis super excité de voir ce combat, j'ai le cœur qui palpite. La foule est prête, les combattants sont prêts, deux rounds de 5 minutes. On les sent au taquet, ça va commencer dans quelques instants. Et tout le monde ici au Centre Jean-Moisse à Mont-Saint-Guibert est aussi prêt. Ils font du bruit. Et c'est parti. Elias Nedir, le gaucher. Steve Boyce, le droitier, qui commence avec un low kick. Qui se met en gaucher et qui envoie en high kick. Pas mal du tout, hein. Bien bloqué de la part du Français. Qui prend l'extérieur de la cage. Très bon footwork pour l'instant de la part des deux. Très mobile, on dit monter sur des ressorts. Et le middle kick qui fait mal. On l'a entendu celui-là. Et celui-ci aussi d'ailleurs, les middle kicks de Elias Nedir font du bruit. Font du bruit et probablement feront des dommages. On peut pas en encaisser 50 des comme ça sans avoir un léger inconfort, je dirais. En effet, surtout que Elias... Belle façon de couper la distance. Quelle belle droite et un low kick. Ça ressemblait à du Tyron Woodley, hein, ce direct lancé de très loin. Très très beau. Et encore un middle kick. Deux de suite. Doubler le middle kick comme ça et tripler le middle kick. Très impressionnant avec un low kick derrière. Mais quelle... rapidité à décocher, pas besoin de prendre de l'élan. Quel début de combat, ça fait une minute qu'on les voit pour l'instant dans notre ring sécurisé. Déjà énormément d'action et encore une fois, même dans le clinch, un coup de poing à la cuisse, tous les avantages qu'on peut prendre sont bons à prendre, toutes les façons de ralentir l'adversaire sont bons à prendre. Et quand on a pris autant de middle kick que Steve Burns a pris, moi aussi j'essaierai de ralentir les jambes de mon adversaire. En effet, ce qui est très intéressant aussi pour les gauchers, c'est le fait que les middle kicks vont du côté du foie de l'adversaire, ce qui peut très rapidement mettre un terme à un combat. On l'a souvent vu dans de nombreux combats. Alors, ce qu'on appelle le corps qui fait un shutdown. Pour l'instant, Steve Burns continue de mettre de la pression. Elias Nedir se protège plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Steve Burns à ce stade-ci du combat? À ce stade-ci du combat, à distance, c'était fort équilibré, donc on peut choisir de continuer à distance. Mais là, je pense qu'il a envie de tester le département de la lutte du côté du Français, qui défend quand même relativement bien. C'est un combat qui commence de manière très équilibrée, donc je ne pense pas qu'il y a de décision importante à prendre de part et d'autre pour le moment. On continue de revenir vers le centre. Il y a pas mal de luttes. C'est bien joué de la part de Elias Nedir qui réussit à retourner en parcourant tout le ring sécurisé pour reprendre l'avantage. Se prend un coup de genou au passage. Et voilà, c'est reparti. Avec moins de 3 minutes à faire au premier round, on est encore en position debout.
en plein cœur de l'octogone. J'aime bien le mouvement des deux fighters. Ils se déplacent très très bien comme ça. Ils sont à calculer la distance, à être prêts en permanence. Un petit problème au niveau protège tibia. Bien fait de la part de l'arbitre. Et on prend. Et c'est reparti. Milieu du premier round. Les directs sont pas loin de passer pour le Belge. Alors que maintenant, c'est le Français qui amène ça au sol. Waouh! Quel beau changement de niveau. Va chercher vraiment sous la ceinture. Remonte. Un bon slam. Et Steve Boy se retrouve en position de... on est encore en demi-garde. Failli récupérer la garde complète. Elias bien actif. On sent d'énergie. Et cette fois-ci, c'est récupéré. Voilà. La garde est récupérée pour le Belge. Franchement, un très beau combat. Beau slam qui va directement en side control. Et Steve a la présence d'esprit de directement récupérer entre la garde et la demi-garde. Et maintenant, il part sur une rubber guard, ce qui est très intéressant lorsqu'il y a les frappes au visage. On rappelle Steve Boyce, le Belge, avec les gants orange, et Elias Nedir avec les gants jaunes, le Français de la MMA Factory. Et il crée de la distance. Frappe, il passe tout près. Une frappe au corps, intéressant, du gauche. C'est actif, hein, c'est très actif. Et alors que, et une très belle transition du Français pour prendre le side control. Tombe en side control, littéralement, rechercher le bras gauche. Et Steve, par contre, refuse de lui laisser. Il est toujours actif et il combat toujours pour se retourner. Et il se relève. Très, très beau. Quelle énergie de la part des deux combattants avec 1 minute 20 à faire dans ce premier round. Peut-être un des combats les plus attendus de la soirée, Chris. En effet. Alors qu'on ne voit plus l'image, ben voilà, elle est de retour. De toute façon, c'est au clinch contre la cage. Belle pression de tête du Français de la MMA Factory. On se nomme Dreamcatcher qui a envoyé 3-4 genoux de suite au niveau des jambes. Et il se fait de la même chose de l'autre côté cette fois-ci avec des genoux du gauche. Et puis on revient encore une fois, on est contre la cage. Avec la mauvaise caméra, chose qui arrive, c'est la loi du direct. Et on vous assure, nous, on peut voir le combat d'ici. Exactement ça qui est en train de se passer. Et une pression, on tente d'épuiser un peu du bon footwork des deux côtés. Et donc voilà, encore des coups au niveau des jambes. Très actifs, que ce soit en défense ou en attaque contre la cage. Et Steve Burst tente de reverser, crée un peu de distance. Percute pas passé loin. Ça a frôlé. Un courant d'air est passé près du nez. Et encore, quelle combinaison qui passe à côté. Et un beau low kick qui touche. Bien caché. C'est actif. Beaucoup. Oh, il y a eu un coup retourné là qui a failli passer également. Et c'est de nouveau parti au sol avec le poulain de Fernand Lopez. Dreamcatcher. Donc on pouvait, je pense que c'est le même surnom que Moussassi. Ce serait le Moussassi français. À vérifier. Et donc avec un takedown à 15 secondes de la fin du premier round, on sait que c'est le genre de choses qui peut aider au niveau des juges. C'est un très 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 beau premier round, je vais y arriver. Je suis tellement dans ce combat que je ne retrouve plus mes mots. Ben voilà, satisfaction du matchmaker. Voilà, c'était prévu pour être un combat actif qui plaît au public et c'est un combat actif qui plaît au public. D'ailleurs, le public de part et d'autre qui donne de savoir, on a pu entendre des chants pour Elias Nedir, on a pu entendre des chants pour Steve Boyce. C'est agréable à entendre, une si bonne ambiance. Ça, toutes les promesses du combat pour l'instant sont tenues. Hâte de voir ce deuxième round, Chris. Ça va être assez intéressant si on voit ce qu'on a pu voir au premier round avec un tout petit peu qui va être le plus frais encore, qui va être un petit peu épuisé, la stratégie un peu. On sait que des deux côtés, c'est des coachs qui forcément connaissent extrêmement bien leur métier. Les conseils qu'ils vont être capables de donner à leurs fighters pour avoir des ajustements. On sait que les deux sont en bonne forme, les deux ont une très bonne condition physique. Je pense que ça se voit des deux côtés en train de récupérer. Steve Boyce peut-être un tout petit peu plus essoufflé à ce qu'on peut voir, il était plus défensif dans ce premier round, donc ça fatigue plus. D'un point de vue stratégique, je pense que Steve a tout intérêt à prendre le milieu de la cage. C'est là où il était le plus à l'aise dans le département du striking. Et du côté du Français, même s'il est très à l'aise debout, je pense que la plus grande différence, disons, entre les deux athlètes, c'est vu dans le département du grappling lorsque le combat a eu lieu au sol. Donc c'est dans l'intérêt du Français d'amener ce combat au tapis, même si il semblait très à l'aise dans le département du striking contre le Belge. Belle énergie, de toute façon, belle activité de la part des deux. Le premier round est complété. On s'apprête à lancer le deuxième round au 360 MMA Fight Night Genesis en ce 29 octobre. On est en direct du centre Jean Moisse à Mont-Saint-Guibert. L'arbitre procède aux dernières vérifications. Tout le monde est prêt, les combattants sont prêts. Et c'est parti pour le deuxième round. Alors que les deux cherchent directement à mettre une pression et à envoyer du volume. Steve Burns qui tente de cacher ses low kicks derrière des 1-2.
fait bien reculer Dreamcatcher qui ne tarde pas à reprendre le centre. La rapidité de son footwork pour revenir au centre de la cage, très impressionnant. Et quand on dit un combat back and forth, là c'est littéralement le cas. Ça avance d'un côté, puis ça recule de ce côté. Et un autre middle kick bloqué. Quand même, on sent de toute la puissance et la rapidité, encore une fois, avec laquelle elle arrive à envoyer des frappes très lourdes. C'est de la répétition. Alors qu'on voit le boucher de Mons sur l'image, il est à gauche. Vous savez qu'on surnomme aussi le lance-patate du Eno, Mike Viatko. Il est partout. Hein. Chaque fois qu'on commente, en fait, il est là. Entre-temps, Nedir a réussi de nouveau à amener son adversaire au sol, hein, comme on l'avait dit. Même s'il est à l'aise debout, c'est peut-être le meilleur choix. Alors qu'il essaie de prendre la montre et un sweep du Belge. Magnifique transition. Les fans de Jiu-Jitsu vont avoir apprécié les deux techniques. Un passage en montre plus un sweep pour arriver en garde complète. Avec Steve Burse, élégant orange face à Dreamcatcher Nedir, le français de la Meilleure Factory, avec les gants jaunes. Et très intéressant, double underhook du côté du français, hein, ça peut permettre de suivre. Comme il essaye maintenant, il va pouvoir se relever grâce à cette technique. Très très beau, on a droit à un vrai combat de MMA ici, dans la mesure où on a du striking, du grind, de la lutte, du grappling, du ground and pound. De la technique surtout. Il n'y a pas beaucoup dans ce que vous venez de voir et il n'y a pas beaucoup de hasard. En effet. Et Steve Burse qui tente une droite. C'est géré, c'est maîtrisé. 3 minutes 10 maintenant à faire au deuxième round. L'arbitre, petite pause. On revient encore une fois le niveau du protecteur de tibia. On ne retarde pas. Le temps de se faire un petit check et c'est reparti. 3 minutes à faire et on a tenté une droite encore de Steve Burse. On passe en dessous du côté de Nedir et une nouvelle amenée au sol. C'est extrêmement propre, Chris. Les techniques sont extrêmement propres. Et à tous les niveaux, au niveau offensif comme au niveau défensif, on vient de voir Steve se relever contre la cage. C'est vraiment très beau, mais ça doit être un combat fatigant. C'est fatigant. Il n'y a pas d'endroit dans la cage pour aller se reposer pendant ce combat. Ouais, c'est clair que les combats dans les cages de 6 mètres de diamètre provoquent un peu l'activité également. Une belle cage pour l'événement d'ailleurs. Oui, pas beaucoup de sponsors étant donné que c'est un premier événement. Mais, les sponsors peuvent être vus sur les grands écrans. Ils sont également vus sur les casquettes de certains coachs. ETCR, le sponsor principal de cet événement. Du tout premier, on sait qu'il y a des rumeurs pour la suite. Alors que Nedir ramène encore une fois au sol. Et il cherche à prendre le dos. Belle défense de Steve qui malgré tout risque de se retrouver en demi-garde. Et il va devoir commencer à prendre des risques, Steve, s'il veut emporter ce combat. Puisque le premier round a été plus à l'avantage du français. C'était serré, mais à l'avantage du français. Et là, il semble que le français commence à prendre de plus en plus le dessus grâce notamment à ses nombreuses amenées au sol. Encore une fois, c'est fait. J'ai l'impression de voir un combat comme dans les livres. C'est propre, chaque geste amène au suivant, c'est calculé, on pense quelques coups à l'avance des deux côtés. Un combat d'échecs? Oui, et une tentative vaguement depuis le dos. On a cru voir une semi-tentative de Kimura de la part de Steve Burse. Et la position, la technique, regardez comment il va récupérer les jambes de... Et c'est ça que j'aime chez ces deux fighters, et c'est pour ça qu'on a mis ce combat au point. C'est... Comme des Joe Lozon, il préfère mettre du spectacle et tenter des choses, quitte à perdre une position, plutôt que jouer la sécurité. Ici, on voit d'ailleurs Nedir Elias qui tente de séparer les jambes de Steve afin de passer son genou pour probablement prendre une monte. On est à une minute de la fin du deuxième round. Énormément d'énergie dépensée par les deux combattants pour ce combat qui donne le spectacle. La foule sait le reconnaître. Une foule de connaisseurs aussi ce soir au centre Jean Moisse. Oui. Saint Guébert. Oh, et un coup qui porte. Et la distance est créée. Et quel beau. Beau grand pound et belle reprise de la garde du côté du Belge. Encore une fois, c'est vraiment deux très très bons athlètes. Ça du se très voit. Bon ça se voit. Du très très bon niveau. C'est. Ça frôle le niveau professionnel. Hein. Ouais, on n'est pas encore chez les professionnels, oui, on le précise. Sur notre carte principale, 5 combats professionnels ce soir. Et on n'y est pas encore. Vous voyez quand même tout le potentiel des deux athlètes. Tout à fait, tout à fait. Ils n'ont rien envié, je pense, en tout cas, au combat que nous verrons plus tard. Et Steve est parti sur un triangle. Nedir l'a réalisé. Et pression de Nedir pour les 10 dernières secondes. Il va peut-être tenter une dernière amenée au sol pour marquer... sa victoire voilà. Plus nette et voilà c'est amené au sol très très beau combat assez serré mais à l'avantage clairement du français
Il n'a rien laissé du tout aux Belges, on l'a vu toujours. Et au lieu de se contenter d'une position dominante, proposait des choses, des sweeps, des passages de garde, des pressions au sol. Quel combat! Quel combat! Et quel arsenal aussi! C'est facile des fois de voir, dans des événements, on peut voir des gens qui ont une technique assez déficiente, mais quand même une capacité de passer des KO. Ouais. Et oui, c'est intéressant si on voit un KO, mais après, quand il n'y a rien derrière, ça devient un peu mince. Et même d'un point de vue stratégique, parce qu'on est occupé à parler du point de vue très technique, etc., mais d'un point de vue stratégique, Nidir Elias a trouvé là où il était le plus à l'aise et il a su imposer son jeu dans le deuxième round de manière assez nette. Et encore une fois, félicitations aussi à son équipe. On a pu voir les ajustements qui ont été faits entre le premier et le deuxième round. Alors que le premier round était déjà bien. Du beau boulot et on va aller à la décision officielle. Mesdames, Messieurs, à la fin de ces deux rondes, les juges ont rendu leurs cartes. Trois cartes identiques. 20-18 pour le gagnant par décision unanime. Du coin bleu, Elias Dream!